Non, c'est bon. Ça a pris. Tu pourras filmer après quand c'est plein. Non, mais c'est déjà lancé. Donc, vas-y, déjà, va chercher les trucs qui vont là. Je commence à ranger. Et c'est, est-ce qu'aux États-Unis, il y a un problème? Ah non, hein. Vous êtes où? Collectez-vous. La connexion de gosse qu'on est en train de déconner. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous laver correctement et bien. Pardon. Collectez-vous. Vous êtes là? Non, la connexion n'est pas Mbakata. Quand il y a des magasins comme ça ici, quand tu rentres dans le magasin, la connexion se coupe. Je n'ai pas la connexion de tout, pardon. Allez m'appeler, ils sont où les pingouins? Venez vous asseoir ici, je vous explique. Vous savez que je suis votre Sama. C'est moi qui vous sors toujours les vrais papos même. Bande d'animaux, va. Les enfants impolis, mal élevés par leurs parents, les éducations inachevées. Cherche le micro pour parler, imbécile. Il y a mal avion. Quand tu es vilain là, naturellement, soit au moins gentil. Non seulement vous êtes laid, mais vous êtes méchant. Vous allez me sentir. Je ne vous dis même rien. Je garde le meilleur pour la fin. On nommait vos papas et vos mamans là. Merci beaucoup, Ghislaine. On nommait vos papas et vos mamans voleurs. Hein? Bah, les couilles pensent qu'il est un moadi. Son papa impliqué dans les crimes rituels. Tu as entendu qu'Aniléa, mais aussi est parti faire les crimes rituels. Bande de sorciers, de vampires. Vous tuez les gens. Le même système aujourd'hui que vous faites semblant d'aider. De dénoncer là, c'est ce système qui a protégé vos papas, la place de certains de vos parents là, qui vous ont mis au monde et mal élevé là, est en prison. Leur place est en prison. Mais comme vous étiez tous les amis et les complices des bongos, on vous protégeait. Aujourd'hui vous voulez venir mal, parce qu'il y a certains aussi qui ont ouvert les yeux. Non, je n'ai pas oublié le sac. C'est là. Je suis en train de ranger, non. C'est ce système-là que vous dénoncez, que vous faites semblant de dénoncer là. Vos parents sont impliqués dans les crimes rituels. Fichez la paix aux gens. Bande de vampires. C'est dans le sang que vous avez régné. On sait qu'on est tous même chaud. Ça fait mal au cœur parce que vos papas coupaient les crânes des gens. C'est dans les crimes rituels et consorts. Les sociétés secrètes et hétériques. On est venu casser ça. On n'a pas besoin de se retrouver dans une secte bizarre la nuit pour accéder à des fonctions. Les choses sont en train de changer. Oui. Maintenant là, tu dénonces. Pardon, attendez d'abord. Coucou Isa. Tu fais la politique de manière ordonnée. Tu veux venir mal. Ah. Bien mal, on va sortir les papos de vos parents. Oui, je vais appeler Jonas. Il a tout ça dans son dossier des crimes rituels. Les enfants des criminels rituels ne parlent pas quand les vrais gens sont assis.
ça. C'est de ça dont il est question. Vos parents sont les buveurs de sang. Au lieu de vous manger vous-même, comme ils ne vous ont pas assez mangé déjà dans les sociétés secrètes là-bas, allez vous vendre dans la franc-maçonnerie. Non. Vous au moins vous a quand même donné la vie. On vous a laissé la vie au moins. Mais les enfants des autres, le zigouillage de ça, vos parents sont des assassins. Ne parlez pas, ne venez pas mal. Sinon, on va sortir les trucs qui sont dans les caves là. Ne venez pas insulter les parents des gens. Moi-même, je dois être nommée. Je ne suis pas devenue celle qui va porter les sacs des gens. Dans la vie là, j'ai toujours dit que ce que tu donnes, tôt ou tard, c'est ce que tu reçois. Quand tu as servi, on te servira. Voilà. Aujourd'hui, le travail d'Annie Léa a payé. Elle a servi avec loyauté. Hein? Les barons du régime. Rien, même pas un petit coup de fil pour la nommer, même ne plus que quelque part. Là, rien à l'éducation nationale, dans son secteur administratif, rien. Seulement, c'est toujours de vous on doit parler, on doit tirer vos chaises jusqu'à ce que vous avez mal. Non, hein? Dans la vie là, c'est ce que tu fais là que tu reçois. Vous allez rester là, si je vous dis ça. Après, vous allez aller dire que oui, c'est toujours les gens du Haut-Togoué là-bas. Vraiment, aucune compétence. Je vous dis ça. Vous serez assis, moi là, je vais venir commander vos enfants. Et venez doucement. Venez très doucement. Il y a les enfants des gens qui vont quadripler l'éducation nationale. Les bacs là. Je comprends pourquoi il y a les gens. Comme quelqu'un m'avait expliqué que son parent avait fait 18 ans. Ou je ne sais pas combien d'années au CUS. Parce que il avait manqué de respect au recteur. Jusqu'à il avait attendu que le recteur la passe pour graduer à l'université. C'est de ça dont il est question. Pensez bien que ça c'est pas seulement sur Facebook. Vos parents là, qu'on connaît leur nom, vous nous insultez, non? Je vais demander à Annie Léa des papiers administratifs. Vous savez que le Conseil économique et social, c'est la plus haute hiérarchie administrative de l'État. Quand tu as un contentieux au niveau administratif de l'État, c'est au Conseil économique et social là-bas, c'est la plus haute cour où on peut gérer ton problème. David, ne viens pas mal. Ne me parle pas mal, sinon je te bloque. J'ai déjà dit qu'ici, on ne me parle pas mal. Je suis en dictature. Donc, tu viens mal, je te bloque. Je ne suis plus dans les demi-mesures là. Ici, c'est moi qui parle. Quand je parle, on m'écoute. Tu ne veux pas m'écouter, tu passes comme le taxi plein. Parce que quand les parents des gens là, qui pensent qu'ils ont trop de leçons à donner aux gens, étaient aux affaires là, c'est les dossiers de nos parents qui bloquaient. C'est les dossiers de nos parents qui bloquaient. Dis donc. Parce qu'aujourd'hui, on est tous venus prendre la pancarte de l'opposition. Quelle opposition? L'opposition des intérêts? Dis donc. Donc je parle aussi, tu poses déjà trop de choses. Ça là, je suis dans mon sérieux. Hein. Ce n'est pas les petites blagues des lives que je fais d'habitude là, que je tolère. Là, je suis dans mon sérieux. Tout le monde peut venir se plaindre de la nomination de quelqu'un dans l'opposition. Ce n'est pas les enfants des anciens barons de l'opposition. Jamais, on le leur interdit. On va exposer les histoires de leurs parents. Dis donc, qui ne connaît pas que Paul Malécou est concerné dans les histoires des crimes rituels? Marceau pense qu'il a des leçons d'intégrité à donner à quelqu'un? C'est lui qui va. C'est son papa qui a payé le parcours administratif des gens, éducatif plutôt, et éducatif des gens? Dis donc, n'importe quoi. Pour ce pays-là, seulement, il vous appartient. C'est quand vous êtes assis là que non, les choses doivent avancer. Nos parents ont des bilans. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Leurs parents ont des bilans. Le père de Marceau Malécou a un bilan. Paul Malécou, on le connaît. Il est à la Cour des comptes. Il a laissé quoi comme bilan administratif là-bas en tant que juge de la Cour des comptes? Jusqu'à il se lève comme ça là, il pense qu'il a trop de choses à dire. N'importe quoi. Tu viens mal, je te bloque. Je suis pas dans les conneries. Hein. Là maintenant, là, c'est une autre personne. Tu me parles mal, je te bloque. Allez manquer de respect aux gens là-bas. C'est quoi? On vous tolère, il ne faut pas venir mal me manquer de respect. Aujourd'hui, c'est dimanche. Là, actuellement, où tu me vois là, je suis très gamée. Je suis très gamée parce que j'ai vu que quand tu ris avec les gens là, c'est dans ça là les foutaises viennent. Je ne suis pas Edoxy Yao. Que vous allez finir par frapper ici parce que la personne est tolérante. Maintenant là, je fais comme Nicolas. C'est lui qui a raison. Tu me parles mal à Madagascar. Voilà. Tu vas aller retrouver le groupe des dissidents là-bas. C'est quoi? On parle de quelque chose qui est sérieux.
Mukani Iwangu, là, même comme il est aujourd'hui, là, qu'il a pris la fonction, là, même son 1 franc, je n'ai jamais mangé. Mais je suis honnête de reconnaître que non, c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs, l'un des plus grands intellectuels du Gabon. C'est un juge hors hiérarchie. Il était à la Cour des comptes. Paul Malekou était à la Cour des comptes. Tu veux discuter avec moi? Moi, je suis rentrée dans la maison de Paul Malekou à la démocratie. J'ai ma soeur qui a fait l'enfant avec son fils, René. Quand je parle, tu penses que les Malekou sont amis avec moi, 2 ou 3 Malekou? Ils ne sont même pas d'accord du comportement de leur frère Marceau. C'est pourquoi Marceau a changé de nom sur Facebook. Les autres ont dit que jamais, tu ne veux pas exposer le nom de... Mais moi, maintenant, là, je frappe où ça fait mal. Parce que c'est lui, le père, il doit monter au créneau. Franchement, n'importe qui va s'élever pour venir me manquer de respect. À partir d'aujourd'hui, maintenant, là, vous allez connaître mon côté obscur. C'est mon côté obscur, maintenant, qui sera... Comme on m'a déjà catalogué partout que femme a problème, je deviens comme Arafat. C'est mon comme ça qui est là. Je ne changerai pour personne. Tu veux, tu me prends comme je suis. Tu ne veux pas, tu passes. Oh, dis donc. On n'est vu qu'une seule fois. Jean, que je vais trop négocier. Je ne négocie rien. Tu viens mal, je te prends mal. I'm telling you. Maintenant, si on n'est pas content aussi, on se donne rendez-vous comme les autres là-bas. Et puis, on se frappe comme les Noirs américains. Donc, je disais que nous, on n'est pas dans les sciences, les réunions ésotériques. Voilà. Parce que vos papas étaient les grands francs-maçons. Et vos mamans là-bas, les grandes caissières, où elles étaient quoi, je ne sais pas, d'Arongo, les bougeuses des fesses. Annie Léa n'a jamais fait un groupe socio-culturel. Même moi-même qui parle là, je n'ai jamais dansé dans un groupe socio-culturel. Voilà. Et puis on va venir, on va vous commander. Elle est maintenant première caisseur. Elle va gérer tout le budget du Conseil économique et social. Voilà, Ndemezo a pris tous ses parents de Wellington. Il a mis ça là-bas. Et je ne peux pas en vouloir à Ndemezo parce qu'il faut qu'on soit sincère. Au niveau de la douane, c'est les gens du Haut-Ogooué qui ont pris la douane là-bas en otage. Au niveau du trésor public, c'est les Bateke et les Nzebi. Donc maintenant, là, c'est la géopolitique. On repart à la politique de base. Si Ndemezo doit même encore bien, il n'a même pas commis tous les fonds de Bitam là-bas. Et je soutiens ça au sous. C'est des Gabonais. Le Gabon à nous, ça appartient à nous tous. C'est maintenant comme ça, là. On revient comme avant. Il y avait les ministères qui étaient une seule ethnie. Oui, il a pris tous les fonds de Bitam, il a mis. Annie Léa, au sous. Je te soutiens à pied, je bois le champagne, ma belle. Première question, tu es dans l'argent comme ça, là, tu zoupes dans ça. Moi-même, je sais que j'ai ma part. Je vais aller souscrire un abonnement illimité à Western Union et MoneyGram, ma chérie. Voilà. On va manger l'argent de l'État. C'est quoi? On va vous attendre dans l'opposition que vous allez prendre le pouvoir là encore quand. On est déjà là, regardez les cheveux blancs. Vous ne voyez pas ma tête là, que les cheveux gris commencent à sortir? Ça, c'est la vieillesse. J'aurai bientôt 50 ans. Donc, je dois être une vieille clocharde là dans la diaspora. Non, 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 non. Je rentre chez moi. Dis donc, vos parents ne font même plus. Ils font la politique dans la rue. Ils ne font pas la politique dans la rue. C'est les gens qui ont les économies. Ils vivent une vie de pacha. Ils continuent à rouler les grosses voitures. Donc, nous, on doit être vos clochards de la diaspora. Je ne serai jamais votre clocharde de la diaspora. Moi-même, je vais écrire une lettre ouverte à Ali Bongo. Napian, dis donc, tout, veillez dames dans le Haut-Ogooué la semaine prochaine, que tous les Alto-Gooéens m'attendent. Je descends sur vous. Je commence par Fidèle Onjoa, je termine par Alianga. Dis donc, suivez la voie. Ndemezo nous a montré la voie. Suivez la voie. Je suis dans le tsunami, la locomotive de la mama. Je n'étais pas monté le premier tour, je monte le tour. Si Napian, je colle la locomotive. Suivez la voie. Ma soeur Arisani est déjà. Mettez-moi aussi déjà, il n'y a plus la place à Lagatou là-bas. Mettez-moi à Lagatou, je vais faire le tourisme. Ah, mais dis donc. La semaine prochaine, veillez dames dans le Haut-Ogooué. Vous allez me dire, si j'ai mangé quelque chose là, je vais rembourser. Eux, les Français sont en train de nommer leurs parents. Moi, je suis là, Alto-Gooéenne, Logo-Gooéenne en plus. Merde alors. Tout le monde, vous m'attendez. La chaleur de ça. Je suis déjà une vieille dame. Pardon. Je colle la locomotive. La maman a dit que... maman a dit que... Si c'est comment, viens danser. Je suis la locomotive. Nanana, viens danser. Oh, maman a dit que... Je monte dans la locomotive. Imbécile. J'attends que vos parents prennent le pouvoir. Parce que quand ils étaient au pouvoir, là, ils m'ont fait monter dans leur locomotive. Même si j'ai insulté les bongos, mais c'est les mêmes bongos là qui m'ont quand même montré que la route de la présidence, j'étais un peu dans les fraîcheurs, je buvais au moins les champagnes. Dis donc, je vais bien, donc de vous attendre quoi. C'est vous que je dois attendre. Imbécile, Niyama.
Veuillez, dames dans le Haut-Togo, allez appeler tous vos grands frères, les ministres de l'Ogwe Lolo. Je remplace Karine Arisani à la Gatou. Je m'en vais au tourisme. La nomination de ça. J'ai trop travaillé. J'ai souffrance ici. Fabrication, la fabrication. J'ai fabriqué. Ceux qui n'ont pas réussi à payer, c'est leur problème. Maintenant, là, je rentre aussi ma part. Dis donc. Ok, on va parler après. Je vous dis qu'il fait une chaleur. Oh, Emelon, il faut venir à la maison. On est en train d'organiser un pique-nique tout à l'heure, là, maman. Tu mets seulement ton short, tu viens t'asseoir. Toi-même, tu connais ton parent. Banana, oh, bah, salade de fruits. Je lui ai dit que mes frères, tu es un malade. Hein. Donc, les gens ne vont pas manger les soya que lui. Il veut manger les bananas, les basalas de fruits. Oui, oh, la maman nous a montré la voie. Oh. Elle dit qu'allons-y. Les Alto-Roubiens, vous restez. Non, pardon. On va monter. Mon frère Magla Gamba a trop souffrance en France. En prison. Donc moi-même, je suis là. Je prends sa place. Les gens là pensent qu'on est encore bêtes. Nos yeux sont déjà open. Oh. On voit maintenant clair, nous tous. Non, pardon, laissez-moi manger, pardon. Je mange, je bois. Même l'enlève est déjà en route maintenant pour partir au Gabon. L'enlève a demandé sa part de pardon à Libongo. Pardon, moi j'irai demander ça devant le Njobi là-bas. Je m'en vais enlever les mandanga dans le Njobi chez Papa Njoaka. Pardon, laissez-moi. C'est un mauvais son. On m'avait envoûté. Celle qui vient avant ma mère, non? Elle a fait l'enfant et le général Labouba. Maintenant, on lui demande tout ce qu'elle a. Tous, tu as fait l'enfant et Labouba, le vilain, là, elle dit que les 7 aïe m'avant envoûté. C'était la part de la vente de piments. Qui? Je m'en vais reconnaître devant le Njobi qu'on m'a lancé. Ce sont les fans. Ils m'ont dit. Pour mon Gabon, là, tout ce qui est mauvais, ce sont mes parents-fans. Je dis que non, les femmes m'avaient envoûté au pardon. Avec les miennes. Comme j'ai fait l'enfant avec eux, c'est eux qui m'ont poussé à insulter Ali Bongo. Dans l'air a déjà dit qu'on l'avait envoyé. Oh. Qui va rester? Moi aussi, on m'avait envoyé. Minalmi, je reconnais. Oh, donc, l'enlève nous a montré à boire. Oui, oh. Je dis qu'on m'avait envoyé. Oh. Insulté. Qui? Rétro-pédalage à 350 degrés. Non, il faut venir, on sera à l'ombre. Tu sais, derrière, là, au parc, là, non, on sera là. Il y a les arbres, il y a le vent, on ne sera pas dans la maison, on sera en bas. Il faut venir. Si maintenant tu as l'asthme, tu montes au salon, il y a la clim là-bas, non. Pardon, mon parti unifié. Ouais. On peut niquer, zo. Eh ben, ni rien. Qui? On m'a pas envoûté, oh. Quand je regarde le live de la lèche, je dis ça là quand même aussi si les bongos croient ça. Mais ils croient, oh. Ils croient les battantes, les gars sont en train de faire un grand lobbying pour que l'enlève rentre au Gabon. C'est moi qui risque de rester ici dans la diaspora. Pardon. Vous savez, hein, j'ai pris l'intelligence en marchant avec les fonds du Nord. Les fonds du Nord sont très malins. Dans le Gabon, là, si tu veux être quelqu'un de très stratégique, il faut marcher avec les fonds du Wellington. Qui? L'enlève a déjà fait sa part de confession. Moi-même aussi, je vais... Chouka les Bikunga. Dis bon. De maison à soulever tout Bitam là-bas, mettre les gens dans son cabinet. Ndounango, il ne peut pas me nommer auprès de lui. J'ai fait quoi? Dis donc. Ou bien quand tu viens, je m'en vais faire les photocopies pendant qu'il est au ministère des travaux publics là-bas. Vous n'avez jamais vu ça. Les mamans dans les ministères qui ont duré là, elles n'ont pas de diplôme. Elle est toujours en catégorie AZ. Elle est là, c'est moi, c'est la maman du ministère. Je m'en vais, je photocopie les papiers, je m'en vais vous chercher le café. Le jour que vous me parlez mal aussi, je crache que dedans. Ah, je n'ai pas la tuberculose, ça ne va pas vous tuer. Et c'est moi. Pour moi, reste à l'étranger. Tu m'envoies payer ton café, tu m'as insulté. Je crache que dedans. Ou bien dans ton coca, ou dans ton paquet de poubelles, je crache le côté du piment là. Après, je mélange ça bien avec la moutarde dans le soya. Où est mon problème dedans? Je vous rends. Là maintenant, je ne vous fais plus les vidéos. Tu m'énerves, je te crache dans le coca.
dans le café. Une amie. Oui, oh, pardon. Oh, la chaleur de ça. Oui, oh, je m'en vais avec mon frère. Oh, il garde le camion. Goba, mais moi, on a trop souffrance. Il a trop conduit le camion, là, c'est bon. On va aller, il va aller conduire maintenant sur la route économique. Wanda l'a suivi. Oui, oh. On va faire les camions là-bas. On va aller faire les photocopies, non. J'ai quel niveau là-bas pour qu'on me dise qu'on me donne la pension. DG. Je suis assise tous les jours. Je m'avais fait seulement les photocopies. Comme je sais au moins. Je sais au moins lire et écrire. Je vais signifier, non. Ils veulent que les gens restent pauvres pour que nous puissions servir la maison de leurs enfants. Vous savez, on rien, mais je vais vous dire un conseil. L'enfant de l'homme qui est la femme qui a été en captivité hérite de la captivité de ses parents. Quand un père ou une mère a servi la maison d'un maître, nous, naturellement, nous héritons de cette servitude-là. Il faut s'affranchir de part et d'autre. On ne peut pas être en même temps. On baisse la tête de l'autre côté de ceux qui ont le pouvoir. On vit encore dans l'opposition. On veut encore nous appuyer la tête. Ah, vous aussi. Vous ne voyez pas que c'est trop. Au moins, quand même, les autres nous appuient la tête. Mais au moins, on a un petit quelque chose à la fin du mois. Donc, moi, je dois venir maintenant être mes kamemba pour faire les lives au bord de la piscine. Jamais. Ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est aller faire les photocopies. Au moins, j'ai un petit salaire à la fin du mois. Comme moi, j'aime toujours mon nyanga. Je voyage, je viens ici, je fais mes courses. Je paye mes habits, je paye mon kwanza. Je frotte ma savonnette. Il n'y a pas de souci. Même si devant là-bas, la Nganji me ramasse, ou bien, comment il s'appelle, Nangoy, ou bien à Bakounia, ce n'est pas mon problème. Personne ne saura, c'est entre les 4 murs. Être là avec les habits de laver, comme je vois, mais quand même au bord de la piscine, ce n'est pas ça le changement. Je suis désolée. Ping ne peut même pas, ne plus que demander à Janine, un pays comme la Côte d'Ivoire, où on coule les jolis habits, toi, la personne qui travaille pour toi, comme ça, est toujours mal fichue. Il est toujours avec un t-shirt, toi, les cols sont, le col est agrandi comme ça, le col vient tomber ici, la chemise est délavée, c'est pas normal. Et tu dis que demain, toi, tu vas changer les choses, tu n'arrives pas à changer l'accoutrement de ton personnel. Ah, quand même, il y a des signes qui ne trompent pas. Ah, pardon. Je ne dis que la vérité. Prends un petit budget. Tu donnes au moins quand même, je n'ai jamais vu un gars. On va dire que je fais le comment on appelle ça, le repli identitaire. Non, il n'y a pas de problème, j'assume. Je vous dis que si mes camions va travailler, même rien que ne fût-ce que pour Nzoubala, il n'allait pas être comme ça là. Les dents complètement pétées. Mukombo, c'est un monsieur, même quand tu le vois. Ou bien même Oyemba là, qu'on dit que Oyemba est chiche. Tu ne peux pas être quand même. Les gens qui sont derrière toi quand même, le body language. On peut te juger à travers, qui peut te considérer avec un collaborateur comme ça, mal fichu. Je ne l'ai jamais vu propre, même ces vestes que les abacos cha-cha-cha. Comme pour mon frère Ali. Ali au moins, même ses abacos sont cha-cha-cha, mais c'est les Smalto, c'est les Giorgio Armani. Traite au moins bien ton personnel. Quand les gens arrivent, on doit quand même te respecter. Non, tout le monde est mal fichu, sale, les visages huileux. On ne reflète pas l'opulence. Rien. Un milliardaire. Non, pardon. Je m'en vais. Oh. Je m'en vais me coucher là-bas. Au moins, Alianga va avoir pitié. Je vais dire le blanc. Le blanc. Je ne peux pas, moi, Dana, travailler même pour Alianga que vous vous insultez là. Moi. Et puis, je suis mal fichée comme ça. Jamais. Je vais le faire asseoir. Je vais le faire asseoir que pardon. Donc, je viens ici là avec le même Kabangono. Oh, même les sacs Chanel, là, elles vont me partager, même si elles vont me critiquer. Je connais mes soeurs Bongo Ndimba là. Elles vont me critiquer, mais elles vont me donner. Je m'en vais, je dis que, ah, il y a Martine ou bien il y a Pascaline. Je veux le sac là. Elle va me donner, même si derrière, elle me critique. Mais au moins, elle va me donner. Je serai en Chanel. Coco Chanel. Pingre, 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 comme ça. Nalemi. Bon. J'ai déjà trop clashé.
Eh, mais l'on vient manger, ton frère fait la salade aujourd'hui. Là. Tu sais qui part? Il voyage la semaine. Je te jure que ça me fait très mal. Voilà comment on traite quelqu'un. Ndemeso, c'est un homme. J'aurais une Ndemeso où une femme était. Ndemeso, c'est une femme. C'est un homme. Je ne peux pas accepter qu'on parle mal de René Ndemeso. C'est irresponsable. Le fait seulement qu'il a pris. C'est dans les valises de Ping qu'il est parti, tu vois, à Niléa. Mais regardez comment il est honoré. Même si aujourd'hui, il part au Conseil économique et social, Annie Léa, elle va exercer sa fonction pendant 5 ans. Elle est cagnard, elle a un bureau, elle a un chauffeur, elle n'est de camp à sa disposition. Mais une grenade de Meso, c'est un patron. Non, nous on va parler de Ndemeso. Je serai une griotte, j'irai au Mali. Ndemeso, c'est un homme. Ça, ce sont les vrais enfants idéologiques de Omar Bongo. Bongo, quand il traînait derrière Bongo, Bongo les a... Il les habillait au moins, c'était des responsables. Quand ils venaient au quartier, nous les tuisons, on meurt seulement. On a le bon ami qui est ministre. Tu es au coucher que Guéquer, on te paye la maison, tout. C'était des responsables. Dans les familles comme ça, c'est eux qui prenaient les décisions. Ndemeso, c'est un homme. Il faut respecter, hein. Vous les voyez, les bitamois là. Vous allez pleurer Ndemeso. Je vous dis, c'est un homme. Il est rentré encore plus dans mon estime. Ça, c'est irresponsable. Je vous dis que ce monsieur de charbonnage, il n'allait jamais. Oh, on se connaît ici. Annie Léa, il faut faire un geste symbolique à ce monsieur-là. C'est un père pour toi. Tu as travaillé derrière tous les milliardaires de l'opposition. Même négocier ta place. Ça, là, il est parti parler à l'oreille. C'est les négociations avant de te nommer comme ça. Moi, je te donne les bons conseils. Ndemeso, c'est un homme. Même si ta fille accouche, il faut donner René Ndemeso. Il t'a honoré. Tu as vu comment on t'a chosifié dans l'opposition après combien d'années? Derrière les amours, derrière, c'est lui, c'est un homme. Il faut être courageux, il est parti. C'est ça le vrai courage. Affronter les gens. Ça, c'est quelqu'un, c'est un père pour toi. Toute ta vie, il faut lui dire merci. C'est un responsable. Ah oui, démocratie nouvelle, Osu. Ah, c'est pas le ouais. Les gens pensaient qu'il allait te laisser. Il t'a traité à ta juste valeur, même si c'est vrai que tu mérites un rang ministériel d'État. Mais, maman, c'est rien, c'est mieux que rien. Oh. C'est mieux que rien que d'attraper leur mallette là, aller dans les marchés. Regarde comment une grande intellectuelle comme toi, on t'envoie faire les rassemblements dans les marchés du PKW. C'est nous, les CP0 là, qui devons venir faire mobiliser dans les marchés du PKW. Ça, c'est notre niveau. C'est pas tout, tu es une cadre. Où qu'on t'a nommé là, c'est là-bas où tu dois commencer ta carrière administrative. Oh, il fallait la voir comme ça là. Une femme intellectuelle comme Annie, elle est en train de transpirer comme moi comme ça. Oh, les femmes, on est au marché banane. Oui, le changement, c'est pas ton niveau, ma chérie. Les gens sont en train de te mentir. Ton niveau là, c'est où on t'a nommé là-bas. Laisse-nous. Moi, j'arrive à la mobilisation. Oh, merde alors. Plus grand, t'as la digne nièce de Gabé Yalanzel. Mon nom Gabino. Big up à toi, laisse les jaloux, les balingas parler, les fenelas, laisse-les. Toi-même aussi, tu seras DG. Je serai ta particulière. On fait ça en famille. Ah, moi-même, je te dis que. Moi-même, ta fille, je n'ai plus besoin de rien. Tu dois, faut avoir peur. On va te tenter là-bas les budgets. Tu sais que tu as laissé les repères derrière, non? Les haineux. Et de la dignité. Laisse. C'est le test, oh. Si tu te comportes bien, la maman, tu vas manger les bons fruits. Laisse les petits budgets. Là, ta place n'est pas là-bas, mais c'est un premier début. Moi-même, j'arrive là-bas. Comme tu es parti, là, tu seras man de Meso. Va négocier aussi pour moi. Je viens aussi charger de la distribution des journaux et des faiseuses de photocopies dans les ministères. Blague, hein? Et je suis au secrétariat. Oh, oh, merde alors. J'attends les gens qui vont venir pour demander les audiences chez mon ministre de tutelle. Hey! Quand tu m'as insulté sur Facebook, je vois ton nom, je m'en vais dans ma liste des gens bloqués. Je regarde bien ta photo, j'investigue. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu as fini? Tu as trouvé?
J'ai quand même bien rangé, non? Oui, il faut bien ranger, sinon pour rester, nous faudra aller. Non, on va seulement aller regarder en haut là-bas. J'ai pris ça et ça. Ah, on oui. peut prendre un autre, tu vois. Tu veux boire un peu le coca? Non, chérie, ça va me donner mal à l'estomac. Attends, je pense qu'à Tarbes, si tu es patient, je peux aller regarder à Tarbes. À Target, toi, oui. Oui, vas-y, je n'ai pas encore fini avec la pingale. Non, je voulais te faire signe que je suis en vie. Je serai chargé des missions. Hey! Là, le ministre et moi, nous tous sommes tout voyants, c'est mon nom, Louboutin. Papa, ah! papa. Jojo Amani, le ministère de la SAP. Ouais. Big up à notre père Oyemba, un vrai sapeur. Non, Oyemba, un monsieur élégant. Oh, tu me vois pour ta garde-robe, hein, Annie Léa. C'est pas pour aller emmener les soutanes là-bas, comme vous les Gabonaises. Vous aimez les bakabangonos dans les ministères. Non, tu t'habilles bien. Je vais aller te faire les courses à Macy's, les Tommy Hilfiger, les... Tu vois les tenues... Bien. Les tenues vestes, là. Déjà que tu as bien perdu du poids, là. Tu m'envoies l'argent, je te paye les jolis habits, je te fais partie les valises. Dis donc, tu cognes ça dans le ministère. Dis donc, de la tête aux pieds, tu es sapé comme Jaja. C'est-à-dire que quand on, madame la DG, puis tu sais les parfums que tu dois mettre maintenant. Tu ne mets plus les parfums ordinaires, tu mets que les hoods. Est-ce que tu vois? Tu as maintenant l'argent, tu es une grande dame. Tu mets les hoods, c'est-à-dire quand madame la DG arrive depuis le parking, quand ton aide quand te sort de la voiture, c'est que madame la DG est passée par là. Le gueule se répand. Oh, oh, dis donc, la sape de ça, les perruques de ça. Je m'occupe chargée du feeling. Designer, maman. Cogne ça comme ça. Ha. Même toi-même, quand tu arrives comme ça en réunion du Conseil économique et social, madame le premier questeur, on sait que oui, elle était là. Quand même. C'est quand même la mère d'une une designer. Je t'envoie les make-up, tout ça là et tout. Les perruques de ça. Tu me parles pas avec les Kabangondo là-bas. Il faut laisser l'histoire des Kabangondo là. Encore qu'elle a du style. Et j'ai vu que le blanc lui va bien. Bon, la sape, la Yola. On fait les courses partout. Là, on envoie ça à madame, le premier questeur. Vous blaguez, hein? Ça va passer à la douane. Les douaniers vont être pas. Quand on met bien le nom, madame Annie Léa Meillet, premier questeur du conseil économique. Les jaloux, ils sont en train de marcher là, te critiquer des Facebook, tes colis arrivent. Soit transmis, personne. C'est les douaniers qui t'amènent ça à la maison. Comme ça, madame. On vient te déposer, c'est comme ça, nous les tékés, quand on était aux affaires avec Omar. Tu vas enjoy la vie, maman. Tu vas savoir pourquoi on fait 99%. Quand les batékés, les extrémistes tékés voient que le pouvoir veut les échapper, ils disent que calin. Donnez 99%. Tu vas savoir pourquoi les tékés ne veulent pas laisser la place. Hey, maman, les privilèges. Oh. Même si c'est vrai que il n'y a pas les moyens comme au temps de notre vieux père Omar, mais on va jouer des petits moyens là. Bon, ma famille, je vous laisse. Oh. Tu m'avais parlé. Bernie, appelle ta chérie. Là, t'as la coup de ça. Tu ne peux pas. Oui, oh. Tous les petits 0V de la douane là. Ils vont amener les valises de madame du premier questeur. Oui, ils vont mourir. Ils vont bien mourir. Ils vont souffrance même, de la haine non justifiée. Bon, il faut que je vous laisse, mes chéris. Il fait très chaud. Ma batterie à combien? 19%, pardon, je dois appeler le Uber. Parce que mon téléphone est déjà très bracata. Bon, je dois rester déjà tranquille. Aurélia, toi tu sais que tu dois me faire le Congo, ça c'est ce que tu connais. Hmm? Les yeux du FBI, non, les yeux du Mossad, de la Corée du Nord. Je t'ai envoyé en mission. Il faut maintenant commencer aussi un peu à te préparer là. Quand le DG t'envoie, la fille du premier questeur t'envoie, tu fais ça bien. Tu sais, je peux dire à ma mère de mettre le bic rouge là-bas. Hein? Tu es fonctionnaire de l'État, non? Attention. Bagbo avait dit que quand on voit la quête, il faut savoir t'envoyer. Bon, j'ai fini. Non, un mec, les parfums de 400 euros, le hood.
Nous-mêmes, on est là, nous sommes ses filles. Notre mère sera, non. Quand elle vient à Paris, maintenant, elle passe par le côté VIP. Ah, la vie de quelqu'un peut changer sur la terre, là. Hey, ma mère, tu passeras maintenant, tu auras le passeport de service. Tu passes maintenant par le salon VIP. Mamé, Kodoua. Ah oui. Félicitations. Madame le premier questeur. Hey, maman, tu passes maintenant que par l'autre. Minalemi. Kodoua. Tu as vu, non? C'est le travail qui paye. Bon. Les jaloux. J'ai déjà fini. Ça, c'était la première session. Je reviens dans le second round. Melon. Moi, j'essaie de donner la migraine aux gens. Bisous, bisous à tous.